suite dans la borne du Kia Niro. Donc, je teste en fait la concurrence. Enfin, on ne peut pas dire vraiment concurrence parce que là, je suis dans le 100% électrique. Donc, on est sur la version haut de gamme qu'on me prête gracieusement. Voilà, parce que mine de rien, je commence à être connu dans le domaine. Et du coup, on me prête ce beau véhicule. Donc, ici, comme vous pouvez voir, on est pas mal. La tablette, grand écran. Alors, comment ça marche? Voilà. Je vous cache pas que je maîtrise pas bien. Bon, elle a pas de bruit, hein. La batterie 96% de charge, comme vous pouvez voir, j'ai une autonomie de 366 km annoncée. La voiture, donc, elle a 3211 km. L'instrumentalisation au tableau de bord, hein, franchement, elle est pas mal. Je trouve que c'est pas mal réussi. C'est beau, c'est précis. Bon, le contour, il est un peu différent. Niveau tableau de bord, voilà ce que ça donne. C'est un véhicule qui n'est pas mauvais. Un peu sec, peut-être, en termes de suspension. Ouais, un peu ferme. Les sièges sont fermes, hein. Ça me fait penser un peu au véhicule allemand. Mais globalement, voilà, les plastiques souples sur le supérieur. Hein, regardez, voilà. Le tactile, il est bien intégré dans le tableau de bord. À une espèce d'une finition carbonée, on dirait. Avec là, on a une spécification, c'est que c'est un son JBL. Ici, au niveau de la console centrale, comme vous pouvez voir, vous avez donc les sièges électriques. Ils ont l'air d'être aussi rafraîchissants. Donc le frein à main électrique, auto-hold, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça, c'est pour l'autre siège. Volant chauffant, radar de recul et drive mode, ça doit être pour la version sport et compagnie. Alors, on va. La direction tourne bien. Bon, c'est pas la grosse pêche comme sur le MG par exemple, mais voilà, une voiture par exemple pour aller au travail, pour faire les petites courses, c'est largement suffisant. Elle est même, je dirais, trop équipée. Parce qu'elle a même des palettes au volant, donc allumage automatique des phares, essuie-glace automatique, bon, le truc, on va dire, un peu normal. Mais ouais, c'est pas mauvais, hein. Là, à peine je ralentis, c'est comme s'il y avait un frein moteur. Donc pareil comme sur le MG. Donc les commandes de chauffage et de climatisation. Les commandes au volant avec régulateur de vitesse, etc. Le GPS. Alors, chose qu'ils ont très bien pensé, par exemple chez Kia, c'est que vous avez le GPS d'un côté, l'autoradio de l'autre et l'ordinateur de bord de l'autre côté. C'est-à-dire que dans un seul écran, vous avez quand même pas mal d'informations. Et ça, c'est ce que je trouve dommage sur la MG, où dès qu'on a le GPS, on n'a aucune autre information. Ou alors, par exemple, quand on met sur la page d'accueil, on a les trois informations, mais sans avoir, par exemple, le plan du GPS qui défile. Voilà, ça, c'était le gros dommage de chez MG pour qu'il soit vraiment au top. Autant là, sur le Kia. Eh ben, je trouve que c'est plutôt réussi. L'info, elle est bonne. En plus, l'écran, comme vous pouvez voir, il est vraiment brillant. Là, on a un petit soleil et eh ben, on le voit super bien. Il n'y a pas de reflet, rien. Donc ça, c'est bien pensé. Sur l'AMG, pareil, on le voit bien. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, l'information qui est donnée là à l'heure actuelle sur la voiture, enfin sur l'écran, pardon. Bah, franchement, c'est bien pensé parce que par exemple, quand on met la radio et que ça affiche que la radio, je vois pas l'intérêt. Enfin, voilà. Ouais. Ça, c'est un bon point en plus pour le Kia.
Niveau volant, ça me fait penser un petit peu celui du MG, petit, qui a une bonne prise en main, beaucoup de boutons aussi sur cette formule. Les boutons ici en bas, donc je dis pas leur dessin, mais la forme des boutons me font bien penser à celui de chez MG. Donc je ne sais pas si c'est un fournisseur qui fournit ça pour tout le monde. Voilà, donc là je vais rentrer dans un parking pour vous faire montrer un petit peu le reste du véhicule. Alors, tac, je vais faire une petite pause. Alors, je vais sortir du véhicule ici. Voilà. Donc là, on est sur la version haut de gamme, comme vous pouvez voir. Tac, à l'intérieur, donc il y a pas mal, hein. C'est un simili-cuir. Enfin non, c'est même un cuir intégral. Je pensais que c'était un tissu, mais non. Bonne assise, hein, baquet et tout. Donc, partie extérieure, si on voit bien. Donc ici, la partie arrière, qui est pas mal, hein, niveau look, voilà, on aime ou on n'aime pas, hein, ça, c'est autre chose. Les jantes alu, les rétroviseurs, des givrants électriques. Pas la caméra 360. Et donc ici la face avant. La face avant, donc en bas avec le radar pour le régulateur de vitesse adaptatif. Et puis ici, on a la prise. Bon bah elle veut pas s'ouvrir. Peut-être parce que la voiture, en fait, j'ai laissé la clé à l'intérieur, hein. Mais sinon, la prise de chargement, vous le voyez, c'est ici. Vous ouvrez, c'est une porte, c'est un volet, hein, et puis vous branchez donc les fameux câbles que d'ailleurs je vais vous montrer parce que le vendeur a très bien fait son rôle. Donc, comme toute voiture, bon, bien sûr, elle est fermée à clé la voiture. Alors, ouverture du coffre, tac-tac. Non, il faut que j'ouvre intégralement la voiture. Voilà. Bon, c'est pas électrique, hein. C'est vérin mécanique, mais bon, ça fait son effet. Alors, d'office, c'est livré avec le cordon standard, comme toutes les voitures électriques, etc. Et après, vous avez le cordon en 380 volts qui est ici. Donc là, on est déjà sur une option à 500 €. D'ailleurs, j'en profite pour le coffre. Pour vous le montrer, ici on a un caisson de basse intégré. Du coup, on perd cette espèce de place ici, parce que c'est la place du caisson. Donc, vous voyez que de ce côté-là est perdu. Bon, c'est pas grave, hein, si vraiment la qualité sonore elle est vraiment au top. Bien sûr, c'est le rideau, c'est pas une plage arrière fixe. Voilà, le petit becquet qui va bien, qui lui donne un petit look sympa. Voilà, donc ça c'est pour le côté extérieur. Côté intérieur, donc il y a pas mal de petits gadgets. Honnêtement, je ne connais pas, je suis là juste pour un essai. Pour être au top, il aurait fallu que j'aie le véhicule par exemple pendant une semaine ou deux. Le volant réglable, hauteur et profondeur. Le son, alors le son, on va essayer de le mettre. Pour un pot marque la Duclair de 700 grammes, soit 4,60 €. Le son n'est pas mauvais. Ici, prise USB. Il doit avoir peut-être un chargeur à induction. Possible. Voilà. Une boîte à gants. On va voir si elle est fonctionnelle ou pas. Une boîte à gants, ouais, bon, et qui est pas super énorme, mais on peut mettre déjà des bonnes petites choses, hein. J'ai déjà vu des beaucoup plus ridicules que ça, hein. Voilà, après là, je suis un modèle avec toit ouvrant. Voilà. Donc avec le petit... Donc ça, c'est manuel, hein. Mais bon, au moins c'est là. Il est électrique, il a deux ouvertures au niveau de l'arrière. Voilà ce que ça donne. Bon, à l'arrière, ça a l'air d'être beaucoup plus petit quand même que sur le MG. Qui est aujourd'hui ma référence, hein. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup d'MG, parce que
à la date d'aujourd'hui en termes de tarifs, etc. C'est bah, c'est ce qui est de mieux placé, hein. Même si au niveau des matériaux, c'est bien construit, c'est franchement, là sur le Kia, je suis quand même assez surpris en termes de qualité de finition. Ici, un alu brossé qui a l'air d'être vraiment en alu et pas un plastique qui a été recouvert. Là, c'est exactement pareil, hein. Non, moi je trouve ça plutôt intéressant. Alors, ça, donc pour mettre les deux canettes, push, et ça, c'est pour les fixations des canettes ou des verres. C'est pas mal. C'est pas mal. Tac, ici. Donc sous l'accoudoir, on a donc une petite boîte à gants, toujours avec une autre prise USB. À mon avis, c'est que pour charger, parce qu'il y a vraiment le truc rechargé, alors qu'ici, il n'y est pas. Donc à mon avis, là, on peut mettre de la musique et enfin tout ce qu'on veut. Voilà. Bah écoutez, je vais reprendre donc le volant. L'instrumentalisation, elle est vraiment correcte. C'est pas mal. Donc ici la molette pour la vitesse. Ça a mis des drives vers l'avant. Et ça y est, dès que je lâche le frein, ça se met à rouler. Donc là, il y a une autonomie de 363 qu'on voit ici avec 96%. Donc l'écran, franchement, c'est le truc qui m'épate un peu, qui est pas mal. La pleine puissance, honnêtement, ça part, hein. Ça part. Je dirais même qu'il n'y a même plus d'intérêt d'acheter une voiture thermique pour faire de la ville, par exemple. Honnêtement, quand on a essayé une voiture électrique comme ça, on se demande à quoi sert la voiture thermique à part pour faire les grands grands trajets. Le petit bruit que vous entendez, c'est la ceinture, donc je vais la remettre. Voilà, c'est mis et j'appuie. Regardez, ça part, mais et toujours pas de bruit. Et voyez, quand il y avait le bleu là sur le côté, ça veut dire que c'était en train de charger. Donc, soit pendant la décélération ou soit pendant le freinage. Mais bon, comme j'ai fait, on va dire, un démarrage sportif, donc automatiquement, ça a fait chuter. La température, enfin l'autonomie, bien sûr, mais ça c'est comme sur une voiture thermique, hein, vous appuyez comme un malade, le carburant il part. Ben là pour l'électricité c'est exactement pareil. Mais sinon, voilà, c'est une bonne voiture qui va bien. Alors, à comparer avec le MG, je vous le dis tout de suite, il est beaucoup plus petit en termes d'habitabilité interne. Par exemple, au niveau des places arrière, ça reste petit. Donc pour une voiture de tous les jours pour aller au taf, c'est excellent en termes de finition. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je trouve même que c'est de trop. Mais voilà, pour faire déjà des longs voyages, etc. Si on est vraiment 5, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Après, en termes d'équipement et tout, la voiture elle est complète. Donc il n'y a rien à dire à ce sujet. Après, c'est une histoire de prix. Donc j'essaierai de vous mettre les informations que j'aurais obtenues. Parce que là, en termes de finition, on est comme le MG version luxury. Et pour le coup, il n'y a pas de reproche à faire sur ce Kia e-Niro qui fonctionne pareil, hein, donc avec la clé. Enfin, la clé qui a, c'est même pas une clé, hein, c'est un porte-clé, hein, comme vous pouvez voir. L'avantage de lui, c'est que les boutons, ils sont sur la tranche. Donc, je trouve que ça change aux boutons qu'on a habituellement sur les côtés, qui finissent d'ailleurs par casser. Là, on dirait que c'est une partie qui est vraiment en alu. Et du coup, les boutons paraissent beaucoup plus résistants, beaucoup plus costauds à voir dans le temps. Voilà. Mais globalement, voilà. Donc, le bouton pour allumer, bon, bah, lui, par contre, il est en pur plastique. Après, tout le reste, vous voyez, on a médias, etc. Donc, qui correspond en fait pour la tablette, le son. Comment ça se passe sur Voilà. Mais surtout, là, au niveau affichage de cette grande tablette, on est vraiment. Voilà, on a toutes les informations, on n'a pas besoin de pianoter.
contrairement au MG. Voilà, donc ça c'est bien. On va retourner chez Kia, donc on va leur rendre leur voiture, qui est très bien. D'ailleurs, je vais discuter avec le vendeur, parce qu'il est cool en plus. Donc on va... Voilà, donc en même temps, je leur fais un petit peu de pub. C'est le Kia de Meaux. Voilà, donc si vous êtes intéressé, venez les voir. Les gars, ils sont super sympas.